Bonjour et bienvenue à notre clinique ORL. Vous êtes ici pour un suivi, je crois, oui. Donc, nous allons nettoyer profondément vos oreilles aujourd'hui suite au problème que vous aviez eu la première fois, d'accord? Et aujourd'hui, je veux vous faire essayer quelque chose de nouveau. C'est un nettoyage d'oreilles traditionnel japonais qui s'appelle Mimikaki Lap Pillow, et cela consiste à vous installer sur mes genoux. Vous allez vous reposer la tête sur un coussin qui sera sur mes genoux. Je vais vous montrer ça. Donc voilà le fameux coussin avec un tissu japonais, c'est vraiment très joli. Et j'ai mis une serviette ici pour protéger ce joli coussin. Et donc je vous installerai dessus dans une minute. Et donc je mettrai le coussin, voilà, sur mes genoux comme ça. Et vous serez bien installé sur mes genoux. Comme ça je pourrai nettoyer vos oreilles de près et vous parler tout doucement et vous relaxer en même temps, d'accord? Donc nous ferons ça et... Avant de commencer cela, je vais vous proposer de boire un thé pour vous réchauffer pendant que je prépare mes ustensiles, d'accord? Donc j'avais prévu un thé avant que vous arriviez. Il est tout chaud et je voulais vous offrir cela pour vous relaxer. C'est un thé à base d'herbes relaxantes. Il y a de la lavande dedans. C'est très bon. Donc je vous laisse boire ceci. Oui, d'accord. Je vous le pose ici, ok? Vous aimez ce thé? Oui, il est bon. Hein? Oui. Alors, donc voici quelques ustensiles que j'utiliserai sur vous. J'utiliserai du coton que je placerai dans cette paire de ciseaux ici. Ensuite, j'utiliserai différents bâtonnets. Ça, c'est un bâtonnet qui a une lumière. Et ça permet de voir à l'intérieur ce qui se passe, d'accord. Et donc, ensuite, j'utiliserai différents ustensiles comme celui-ci, par exemple. Et donc, j'irai dans votre oreille comme ça. Et je nettoierai tout bien, d'accord. Je mettrai de l'huile de massage et je masserai vos oreilles afin de... casser un peu la cire dans l'oreille, comme ça sera plus mou, ça sera plus facile à retirer, d'accord? Voilà le programme. Donc je vais commencer à vous désinfecter, d'accord? Voilà. Vous êtes bien installé sur mes genoux, ça va, c'est confortable? Oui. Nous allons commencer par désinfecter l'oreille, d'accord? Je commence par cette oreille ici. Je vais utiliser cet instrument-ci pour prendre un peu de coton
afin d'essuyer tout ça. Voilà, alors je prends un petit peu de coton. Je prépare. Solution avec de l'alcool. Un petit peu partout, d'accord. Ça va? Oui. Je vous fais pas mal, hein, n'est-ce pas? Donc là, une fois que j'ai fini de désinfecter, je vais vous faire un petit massage des oreilles, d'accord. Pour pouvoir désintégrer la cire. Ça aide à la ramollir. Voilà, c'est tout bien désinfecté maintenant. Je vais tout simplement faire le petit massage avec de l'huile, d'accord. Voilà, ça c'est l'huile que je vais utiliser. Cette huile, eh bien, c'est un mélange de différentes huiles. Huile d'olive, et on a aussi de l'huile d'amande douce dedans et de l'huile de brocoli, et tout ça, ça va aider à désintégrer, ramollir la cire, d'accord. Alors voilà, je vais ouvrir la petite bouteille comme ça. Je vais en mettre sur les mains. Voilà, j'en ai bien partout. J'espère que vous aimez le massage des oreilles. Vous n'en avez jamais eu. Alors je vais faire ça super bien pour vous. Vous allez sûrement aimer beaucoup et revenir. Le massage des oreilles bien comme il faut, et je voudrais vous détendre bien, vous détendre. J'espère que vous appréciez.
nettoyer le surplus avec. Maintenant, d'accord. Donc maintenant tout est bien désinfecté. Je vais préparer l'oreille. Et je voudrais utiliser une brosse toute douce pour vous, juste pour préparer l'oreille à quelque chose d'aussi précis, d'accord. On commence par ça. Complète les oreilles, ça permet de relaxer tout le corps en fait. Oui. Beaucoup de choses se passent au niveau des oreilles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font de l'acupuncture au niveau des oreilles. Je sais pas si vous avez vu déjà ça, il y a des centaines, on a l'impression, de petits points qui représentent les parties du corps. Donc, c'est vraiment très important les oreilles. Alors, les masser aussi, ça permet de aider à notre santé. Ça chatouille pas trop, non? C'est agréable, oui, je sais, c'est vrai. Voilà. Bon, là, on va pouvoir passer à la suite. Un coton-tige tout à fait normal parce que je veux retirer tout le surplus qui est en train de couler petit à petit des oreilles à cause de ou grâce à l'huile qu'on a mis tout à l'heure. Je fais aussi un peu l'extérieur, bien entendu. Tout ce qui a coulé un petit peu, voilà, je retire tout ça bien pour que ce soit bien propre et bien net, d'accord. Ça va? Ça se passe bien, oui. Oh, je suis contente que vous ayez mis ça. J'aime tellement relaxer les jambes, ça me fait tellement plaisir. Et ça me relaxe en même temps. Voilà, sur le coton-tige, c'est fait. Cette petite lampe, regardez comme ça, je sais pas si vous voyez, il y a une petite lumière, je vais tout simplement regarder à l'intérieur,
Je vais tout simplement regarder l'intérieur de votre oreille de manière profonde. Comme ça, je peux voir le travail que j'ai à faire, qu'est-ce qu'il reste à faire, d'accord? Alors, vous en faites pas, ça fait pas mal du tout. Juste ne bougez pas trop, pas du tout, d'accord? Donc, j'y vais là, je vous préviens, j'y vais, d'accord? Allez, c'est parti. Voilà. C'est à l'intérieur. D'ailleurs, contente d'avoir tout ça retiré, ça vous rendra la vie plus facile. Vous allez voir, vous allez avoir l'impression d'entendre mieux et tout ça, donc ça va vous soulager. Voilà, ouais, d'accord, ici aussi un petit peu. Ici, il y en a aussi. Ah, ok. Je vais un petit peu plus profond. Je sais ce que j'ai à faire maintenant, c'est super. Donc, je vais utiliser ce petit bâtonnet très très mignon. Ça fait, on dirait, une petite cuillère. C'est une petite cuillère en fait. Et je vais ramasser la cire avec ceci, d'accord? Alors, ça peut chatouiller un petit peu, bien entendu. Mais ça ne peut pas faire mal, vous en faites pas. Je suis très très habituée à faire ceci. Retirer tout ça là, hop, prendre un petit couteau. Voilà. C'est parti, ici aussi, retirer tout ça. Voilà, voilà. J'en retire beaucoup, d'accord, je retire le plus gros maintenant. Je vous ai pas fait mal, non? D'accord. Super. Parfait. Ça va toujours. Je sais pas, voilà. Super. Oh, ça se passe super bien, je suis vraiment très contente. Oui, oui, ça s'en passe super bien. C'est très très facile, oui. Et votre cire, ça veut dire, ça fait pas très longtemps que c'est là. Oui. Un instrument de plus grande précision. Alors, c'est une sorte de cuillère aussi, vous allez voir. C'est comme la même chose, un petit peu comme celle d'avant, c'est juste que la cuillère, le bâton il est plus fin, la cuillère elle est plus grande. Précision avec, donc je vais faire ça là.
N'hésitez pas à me dire. Cet ustensile là, voilà. Déchirer un morceau de coton. Je vais nettoyer. Ça va, vous aimez ça? C'est relaxant, c'est ma partie favorite. Oui. C'est super. Profondeur comme ça. Ici. Voilà, tout propre, magnifique. Voilà notre première oreille qui est faite. On va faire la deuxième maintenant, d'accord? On va changer la position, ok? Vous êtes prête? Oui, d'accord. Bon, j'espère que ça va. Oui, vous êtes bien installé maintenant? D'accord. Donc là, on fait l'autre oreille, hein, bien entendu. Et donc, je voulais vous dire que pour votre relaxation, je ne vais pas parler pendant la deuxième phase, pendant la deuxième oreille, parce que vous savez déjà ce qui va se passer puisque je vous l'ai expliqué avec la première oreille. Donc, juste pour rappeler vite fait, je vais désinfecter votre oreille, d'accord? Et ensuite, je vais faire le massage, un massage qui va aider à désintégrer. Et ensuite, je vais utiliser mes outils un par un et je nettoierai à la fin l'oreille et voilà, ça sera terminé. Donc là, je voudrais vous laisser vous reposer. Et ce que je ferai à la fin peut-être, c'est de vous épiler cette oreille parce que je vois qu'il y a en fait des poils superflus sur cette oreille en particulier. L'autre, ça va, j'ai rien vu. D'accord, vous voulez que je fasse ça? Oui, d'accord. Donc j'utiliserai une cire et vous en faites pas, ça fera pas mal du tout.
je refais encore. Voilà, la session est terminée et j'espère que vous avez bien profité, que c'était très relaxant. Voilà, je suis très très contente des résultats. Il n'y a plus de cire du tout, c'est tout 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 propre et vous êtes tranquille pendant des mois, d'accord ? Super. Alors, comment avez-vous trouvé cette session Mimi Kaki et la Pilo ? Vous avez aimé ? Oui, vous reviendrez. Je suis très contente et je serai là pour vous relaxer, vous nettoyer les oreilles. Pas de problème. Donc, je voulais vous dire que vous pouvez rester ici pour continuer à vous relaxer avec cette musique magnifique. Et je peux vous mettre un petit peu plus de thé si vous voulez, ou un autre thé. Vous voulez choisir un autre thé. Et donc, vous pourrez bénéficier de cette relaxation un petit peu plus longtemps si vous restez ici, vous reposez. Oui, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un plaisir pour moi de vous recevoir au salon aujourd'hui et j'ai hâte de vous revoir bientôt. Vous pouvez m'appeler Hélène, oui. Voilà, vous demandez Hélène la prochaine fois. Voilà. Merci beaucoup et passez un excellent week-end. À bientôt, au revoir, merci.